La scène, oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Seront plus protégés, de vieux juges l'ont décidé. La Cour suprême a fait reculer le droit des femmes. Donald a pris soin de laisser sur le terrain trois canards au pouvoir divin. Neil Brett a mis sa version de boutin. C'est inique, régressiste, archaïque, le pouvoir il leur a donné. En Amérique, in God we trust, le ton est donné. Des lois zombies gâchettes, prêtes à être servies sur un plateau par des ringas originistes, des réacs aficionados. Pauvre Amérique, basée sur la croyance en Dieu. Perso, je pense que chacun fait comme il veut, mais là-bas, il fixe les règles du jeu. En Amérique, pour les femmes, plus d'avortement, mais pour chacun, une arme, c'est ahurissant. Je préfère être côté incroyant, et loin d'Amérique. En Amérique, soi-disant protéger mes enfants. En Amérique, pour mieux les tuer quand ils seront grands. Augmentation en flèche de la criminalité au lieu de l'avortement. C'est ça la vraie priorité en Amérique. Mais en Amérique, c'est le lobby des armes qui doit régner. En Amérique, Dieu abonde tous les coups il permet. En Amérique, mais bon Dieu, où l'ont-ils trouvé? Ce Dieu cynique, aux talibans, rien à envier. Régression de la société, un tournant critique pour le monde entier. Bien dommage que les parents de ces juges aient fait des enfants. Bye bye.